Alors, petite découverte du contenant. Donc, on voit là tout d'abord la vue qui est absolument magnifique sur donc le lac, avec un grand dégagement en face du campement. Du coup, très joli panorama au réveil ce matin. Franchement, ça vaut le coup. Un temps magnifique, il fait bon. On tape encore dans les zéros négatifs la nuit, mais sinon, tout agréable, pas de vent, pas de neige et pas de pluie. Ça change un peu. Donc, hop, voilà, découverte du camp. Alors, on voit sur la gauche donc la bâche qui sert d'écran pour le vent, pour le peu qu'il y en a, et puis pour aussi ne pas être trop visible depuis la route qui est pas très très loin. Ici, donc on a la réserve de bois, le bois qui est pas trop trop mouillé, qu'on a pu ramasser par terre assez tranquillement. La tarpe avec pas trop fermé, on a quand même tout baissé pendant la nuit, mais sinon vu qu'il n'y a pas de vent et qu'il fait bon, on m'aide un peu minimal et léger pour cette fois. Avec la cuisine qui va être faite pour manger à midi. Hop. Et le trépied un peu branlant de cette fois, mais qui a fait le job quand même. On a pris ce coup-ci le matelas gonflable, ouais. On s'est dit que ça serait cool, et ça l'était. Donc, contente d'avoir pris. Et petit retour sur le panorama depuis la tarte.